Il est dit dans les anciennes légendes que le peintre Wu Taozi, après avoir peint un paysage de brume, y pénétra et disparut. Des montagnes séparées par des nappes de nuages. Au-dessous, un plateau couvert d'une forêt. Un torrent surgit entre les arbres, puis tombe en cascade du haut d'une marche. À droite, un grand rocher aux plis inclinés. Une cabane ouverte sur une clairière. À gauche, une falaise aux maigres végétations. Une petite rivière, née de la cascade, serpente dans un défilé, puis s'élargit. Un îlot où poussent quelques arbres. En bas, un plan d'eau bordé de rochers et de touffes de roseaux. À gauche, 6 colonnes de caractères chinois. Enclin à la paresse et accablé de tourments, j'ai été sur le point d'enterrer mon pinceau et de brûler ma pierre à encre, de m'anéantir, de quitter mon enveloppe charnelle. Mais je n'ai pu y parvenir. Dans l'abandon à la solitude, mes pas me conduisirent jusqu'au studio d'un ami. Là, je vis tour à tour des peintures authentiques de Ni, de Huang, de Che, de Tong. Mes jours dès lors s'écoulèrent au gré des impressions que j'en conservais. Et bientôt, je recouvrai le sommeil et la saveur des mets. Que l'agate rouge et la cornaline jaune prient de bien des recherches sont choses auxquelles il n'est pas facile de renoncer, c'est ce que j'ai appris de cette épreuve. À l'automne de l'année Xinrai, au pied du mont Jinting, Shi Tao, le moine de la montagne Ji. L'année Xinrai est l'année 1671. Shi Tao, le nom du peintre. Juste au-dessous, un sceau rouge portant un autre de ses pseudonymes, Lao Tao, le vieux taoïste. De la même époque date un autoportrait, genre assez rare dans la peinture chinoise. Le peintre a une trentaine d'années. Au premier plan, un rocher en forme de vague, une allusion. Ce Tao signifie en effet « vague pétrifiée ». C'est dans les régions qui bordent le cours inférieur du fleuve Yangtze que Zhu Roji, le futur Shi Tao, a passé son enfance. Une enfance tragique et mouvementée, dont ne subsisteront dans sa peinture que les paysages grandioses et dans sa poésie une permanente inquiétude. Au moment où naît le peintre, la brillante dynastie Ming s'effondre. Les Mandchous envahissent la Chine du Nord et s'emparent de Pékin. Le père du peintre, apparenté aux Ming, résiste. Il est tué avec sa famille par les partisans d'un autre prétendant. Seul Zhu Huoji, âgé de 3 ans à peine, échappe au massacre. Emmené par un serviteur, il vivra caché puis errant de monastère en monastère. Élevé dans la spiritualité du bouddhisme Shan, le jeune moine est vite remarqué pour ses dons de calligraphe et de peintre. Il restera toujours attaché à cette région dont les hauts lieux, comme le mont Ruang, sont aujourd'hui encore parmi les plus fameux de Chine et les plus recherchés par les peintres. Des pics abrupts émergent de mers de nuages sans cesse mouvants, des pins noueux s'accrochent aux murailles, des cascades jaillissantes alimentent rivières ou lacs. Partout, des chemins dallés,
Des marches taillées à flanc de falaise joignent terrasses, rochers fantastiques, monastères, cabanes d'ermites. Après une dizaine d'années passées à Wuchang, sur le fleuve, et un séjour auprès d'un grand maître, Xue Tao s'installe à Zhuangshang. Entre-temps, la dynastie Mandchou des Qing s'est établie, la paix est revenue. L'empereur avait chargé Li Suxun de peindre les paravents de son palais. Le peintre y plaça des scènes de montagnes et d'eau qui firent l'admiration de tous. Un jour, l'empereur convoqua le peintre pour se plaindre. « Les cascades que vous avez peintes font trop de bruit. Elles m'empêchent de dormir. » La peinture en Chine est indissociable de l'écriture. Elle utilise le même instrument, le pinceau, et les mêmes supports, papier ou soie. Écriture et peinture voisinent presque toujours. L'écriture est l'art d'assembler les traits pour décrire tout l'univers. À l'origine, les pictogrammes étaient des représentations des choses. La montagne, trois sommets. L'idéogramme en garde le souvenir. De même, arbre, eau, homme, soleil, lune. En évoluant, les idéogrammes ont représenté l'essence des choses ou les relations entre les objets, entre les êtres. Le verbe se reposer, un homme à côté d'un arbre. La lumière, le soleil et la lune côte à côte. En chinois, le paysage se dit shan shui, c'est-à-dire montagne et eau. Le paysage, genre principal en peinture, combine toujours ces deux éléments. C'est leur opposition même qui détermine la composition. Maîtrisant le pinceau, le lettré est donc un peintre en puissance. Forme particulière de poésie et même véritable démarche philosophique, la peinture des lettrés a pris une dimension presque sacrée. Le peintre n'imite pas docilement la nature. Sa méditation s'appuie sur une contemplation, celle de la réalité concrète qu'il a devant les yeux. L'illumination spirituelle a lieu dans un moment de contact avec ce pur réel. Ferveur du regard et réceptivité sont la récompense du détachement. En composant une image, le peintre recrée le monde en miniature et selon le Tao. Le Tao, c'est la voie, c'est-à-dire dans l'anticosmologie, la création en marche. Il provient du souffle primordial, unité qui se manifeste en deux souffles complémentaires, le yin femelle et le yang mâle. Un troisième souffle assure leur interaction, le vide médian équivalent de l'esprit. Le yin et le yang engendrent les 10 000 êtres, c'est-à-dire l'ensemble du monde visible. La peinture exprime la grande règle des métamorphoses du monde, la beauté essentielle des monts et des fleuves dans leur forme et leur élan, l'activité perpétuelle du créateur, l'influx du souffle yin et yang. Par le truchement du pinceau et de l'encre, elle saisit toutes les créatures de l'univers et chante en moi son allégresse. La peinture chinoise ou la calligraphie sont exécutés sur des rouleaux de papier de riz ou de soie fine. Fragiles, ces rouleaux ne sont destinés ni à être encadrés, ni à être accrochés au mur en permanence, comme les peintures occidentales. Le rouleau horizontal, ou rouleau à main,
se regarde sur une table. Une main enroule une extrémité pendant que l'autre main déroule l'autre partie. L'œuvre, qui peut être immense, plusieurs mètres, ne se lie alors que par scènes successives, de droite à gauche. L'amateur choisit une peinture en harmonie avec la saison ou avec l'heure. Il la déroule pour la contempler ou la montrer à un ami ou encore à l'occasion d'une fête, puis il l'arrange. Il en est de même pour le rouleau vertical ou rouleau suspendu d'apparition plus tardive. Il s'accroche à un mur et, déroulé, se donne à voir dans son entier. Le mont Jinting en automne est une peinture à l'encre sur papier. Elle mesure 86 cm sur 42. Elle a été collée sur une longue pièce de soie s'enroulant autour d'un cylindre de bois. Comme pour tant d'autres précieuses peintures, son déroulement est à vivre par le spectateur comme une expérience irremplaçable, un moment exceptionnel où se déploie un espace-temps, celui qu'a vécu l'artiste lui-même lorsqu'il communiait avec l'essence de la création et participait au Tao. Le principal médium de la peinture chinoise est l'encre. Présentée en bâton dur, l'encre de Chine est fabriquée à partir de noir de fumée, mélangée à de la colle et à divers aromates. Pour la préparer, on verse un peu d'eau au fond de la pierre à encre. On tourne le bâton jusqu'à obtenir une encre de consistance convenable. Le pinceau chinois est constitué d'une touffe de poils enserrés et encollés dans un manche de bambou. Le yen rao, composé de poils de chèvre, est très souple. Le lan rao, de poils de loup ou de cerf, plus raide, permet les traits les plus aigus. Le jen rao, enfin, rassemble une couronne de poils de chèvre souple et une pointe intérieure de poils de loup dur. Il est utilisé pour les pleins et les déliés. Le peintre applique une technique de base, celle des trois tons, c'est-à-dire les trois principales densités de l'encre. Il chargera et rechargera son pinceau en dosant chaque fois l'encre et l'eau. À l'intérieur de la touffe, entre la pointe centrale et le manteau de poil, un espace vide sert de réservoir. Plongé dans l'encre, la touffe aspire par capillarité une charge importante de liquide. L'encre est ensuite distribuée par la pointe selon la pression exercée. Le jeu du pinceau est régulé à la fois par le poignet et par le bras entier. Le peintre et le calligraphe travaillent à main levée, sans prendre appui sur la table. Des années de pratique sont nécessaires avant d'acquérir un contrôle parfait. Avoir l'encre, mais pas le pinceau, veut dire que l'on est investi de l'aisance que donne la formation technique, mais que l'on est incapable de donner libre cours à l'esprit de la vie. Avoir le pinceau, mais pas l'encre, veut dire que l'on est réceptif à l'esprit de la vie, mais sans cependant pouvoir introduire les métamorphoses que donne l'aisance de la formation technique. L'apprentissage commence par l'étude des éléments simples de la nature. La tradition a codifié les traits, traits horizontaux, traits verticaux, traits ondulés, traits segmentés ou ceintures plissées, utilisés pour la peinture des arbres. Le trait en fuseau, celui de la feuille de bambou, est obtenu en appuyant la pointe du pinceau durant son parcours. Le trait jeté descendant, en relâchant le pinceau lors de la descente. La queue de souris est un trait appuyé, puis relevé en pointe. Tous ces traits se font le pinceau à la verticale. Cette technique, dite à la pointe droite, fut parfois la seule utilisée par certains peintres anciens. Zhuda, l'ami et le maître de Xue Tao, l'emploie de préférence.
En maniant le pinceau sur le côté, méthode dite à la pointe en biais, le peintre obtient des effets plus spectaculaires. Cette technique, très en vogue à l'époque Yuan puis sous les Ming, a été critiquée par les puristes. Ce Tao, esprit libre, préconise l'emploi des deux manières. Il a été dit que l'homme parfait est sans règles. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de règles, mais que sa règle est celle de l'absence de règles, ce qui constitue la règle suprême. Le rocher est un élément très important. Il a dans la peinture chinoise un statut comparable à celui du corps humain dans la peinture occidentale. Les rides sont les traits qui dessinent les reliefs des montagnes, les accidents du terrain, les volumes ou les strates géologiques des rochers. Xue Tao souligne aussi les reliefs au lavis et utilise la pointe du pinceau pour créer taches et points qui évoquent les mousses et les végétations d'altitude. L'encre diluée et fluide est préférée. Utiliser de l'encre épaisse serait une solution de facilité, car cela permet d'effacer des erreurs ou des carences. D'ailleurs, l'énergie spirituelle d'une peinture n'est pas montrée par la vigueur de l'encre, mais bien, selon la tradition, par des moyens ternes. Ainsi, la grande peinture refuse souvent les couleurs et recherche la pâleur insipide, c'est-à-dire la sobriété, le dépouillement. Et la virtuosité du peintre doit être parfois contrebalancée par une maladresse tempérée qu'apprécieront les esthètes. La composition apparaît comme fort charpentée. Très pleine, elle est découpée en plans distincts, d'abord horizontaux. Montagne du haut, la plus lointaine. Rochers et montagnes plus proches, plateaux boisés. Puis la cascade sépare la falaise de gauche du rocher de droite, donnant naissance au plan d'eau qui va en s'évasant. Enfin, l'îlot occupe une partie du premier plan. Les diverses zones sont en outre redécoupées et séparées par les surfaces blanches qui courent à travers la composition. Partout, le peintre a créé des oppositions de formes et de lignes. Montagnes rondes, pics déchiquetés, arbres élancés, arbres tordus, arbres dressés vers le ciel, arbres aux branches retombantes, verticale des rochers, horizontale des reflets dans l'eau. La cabane nichée au creux du rocher, seule construction humaine, est aussi l'unique structure aux traits droits, table, mur, marche. Malgré l'usage de la seule encre, le tableau montre une gamme d'au moins 8 nuances, du noir profond au blanc pur. Le travail au pinceau sur un même motif voit peu à peu s'épuiser l'encre. Le peintre obtient ainsi des nuances plus pâles qui suggèrent la profondeur, un éloignement des objets. Branche du pin central, avec étagement des touffes d'aiguilles. Ou encore sapin du plateau, dont la taille diminue en même temps que la densité. Les bancs de brume ou de nuages imposent eux aussi l'idée de profondeur. L'un marque la séparation entre les deux montagnes, l'autre souligne l'étendue de la forêt sur le plateau. Sans eux, le paysage serait plat. Ce blanc est l'élément le plus important du tableau.
C'est le blanc pur du papier que le peintre garde en réserve. Il n'a pas seulement une fonction plastique, il est une expression du vide, principe fondamental de la pensée chinoise. La peinture est légendée par Shi Tao au pied du mont Jinting. Mais le mont, pourtant célébré jadis par le grand poète Li Bai, n'est qu'une petite suite de collines rondes, juste à la sortie de la ville de Zhuangshan, où réside Shi Tao. Le peintre emprunte en fait tous ses éléments au mont Ruang, situé à quelques jours de marche de là. Shi Tao a partagé son paysage composite en trois, comme pour marquer la séparation entre des mondes bien distincts. D'abord l'espace humain, la cabane et sa clairière en bordure de rivière. Puis sur le plateau, la forêt lointaine traversée par le torrent. Enfin, encore plus inaccessible, la montagne, lieu de rencontre entre la terre et le ciel, emblème d'élévation spirituelle. Mais cette séparation en trois mondes n'est pas stricte. Certes, le blanc des eaux de la cascade semble provenir du blanc des nuages, évoquant l'un des cycles de la nature. Mais pour le peintre taoïste, le cycle fonctionne dans les deux sens. Le vide casse l'opposition trop rigide entre la montagne et l'eau. Il est un intermédiaire actif. La montagne peut se fondre en vagues d'eau et l'eau s'ériger en pluie de montagne. Cette peinture peut donc être lue, elle aussi, comme une variation sur le nom de Shi Tao, vague pétrifiée. Les nuées blanches sont les éléments yin, femelles de la composition. Elles pénètrent profondément entre le gros rocher et la montagne, éléments yang, mâle, dressés au-dessus du paysage. Le principe yin préside aussi à la destinée de la forêt, de la cascade, du ravin, des cavernes de la montagne. La forêt dense et brumeuse attire le regard vers la fente qui s'ouvre en son centre et qui laisse couler le torrent. Tout le paysage est ainsi sexualisé, mais rien n'est tout à fait tranché. Ainsi, la montagne yang est criblée d'un réseau de stries et de sillons yin. Ce paysage est aussi personnalisé. Le sommet le plus proche est presque humain. C'est une tête rude, couronnée d'arbres cheveux et flanquée d'une sorte d'oreille. Shi Tao peint souvent ces formes étranges de la nature qui reproduisent des êtres ou des objets familiers. On raconte que le peintre Mifu, alors qu'il séjournait à Wuwei, découvrit un rocher géant d'une extravagante laideur. Ravi, il se revêtit de son costume de cérémonie. Il se prosterna devant le rocher en l'appelant « cher frère aîné ». Shi Tao décrit avec précision plusieurs espèces végétales. Le bambou, qu'il a peint très souvent, et comme sa plante fétiche, c'est l'être vivant le plus paradoxal. À la fois fragile et robuste, vide et plein, souple et raide. La tige et les feuilles sont comme une invitation au premier trait de pinceau. Et puis le manche du pinceau, léger et dansant, n'est-il pas lui-même une tige de bambou? Outre le bambou, il y a les arbres dont la ramure reste toujours verte, comme le pin, et ceux qui ont perdu leurs feuilles, comme le prunus. Bambou, pin, prunus sont les trois amis de l'hiver. Symbole de longue vie, ils annoncent la saison suivante, celle du renouveau. Tronc et ramure des arbres forment un volume dense. Au milieu de ce plein, le vide circulaire de la clairière, un espace propice à la méditation.
Et justement, un homme, assis devant la cabane, médite. Le personnage est minuscule. Il emprunte les traits de pinceaux les plus fins. Lors d'une première lecture du tableau, on ne l'aperçoit qu'à peine. Il n'est qu'une infime parcelle de ce paysage. Il s'est sans doute d'abord tourné vers les montagnes, puis il a baissé la tête. C'est peut-être le peintre lui-même qui, après avoir longuement regardé la nature, se recueille, se délectant de la transformation des éléments les uns dans les autres, du retour cyclique des saisons, de la pénétration du vide dans le plein, et recrée ainsi par la pensée tout l'univers. Il y a 50 ans, je n'étais pas encore venu à l'existence avec les monts et les fleuves. Non pas qu'ils eussent été valeur négligeable, mais je les laissais seulement exister par eux-mêmes. Mais maintenant, les monts et les fleuves me chargent de parler pour eux. Ils sont nés en moi, et moi en eux. J'ai cherché sans trêve des cimes extraordinaires, j'en ai fait des croquis. Monts et fleuves se sont rencontrés avec mon esprit, et leur empreinte s'y est métamorphosée. Shetao rédigera à l'âge mûr les propos sur la peinture du moine Citruyamer, un traité au contenu plus philosophique que technique et dont l'influence sera considérable. Dans ses propos, Shetao base toutes ses théories sur une notion, l'unique trait de pinceau. À la fois élémentaire et multiple, il est comme la cellule vivante de la composition et le seul intermédiaire capable de traduire la vision spirituelle du peintre. Si loin que vous alliez, si haut que vous montiez, il vous faut commencer par un simple pas. Aussi, l'unique trait de pinceau embrasse-t-il tout, jusqu'au lointain le plus inaccessible, et sur 10 000 millions de coups de pinceau, il n'en est pas un dont le commencement et l'achèvement ne résident finalement dans cet unique trait de pinceau dont le contrôle n'appartient qu'à l'homme. Par le moyen de l'unique trait de pinceau, l'homme peut restituer en miniature une entité immense sans rien en perdre. Du moment que l'esprit s'en forme d'abord une vision claire, le pinceau ira jusqu'à la racine des choses. Thank you.